messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Culture et Marché, enregistrée ici en Charente. Vous le voyez d'ailleurs, les vignes sont juste derrière moi. Les vendanges battent leur plein. Nous débuterons cette édition en revenant sur les exportations de blé russe qui n'en finissent plus de faire parler d'elles. Nous ferons ensuite un point sur la sécheresse qui perdure sur l'ensemble du continent européen et qui menace désormais les colzas 2019. Nous chercherons ensuite à comprendre pourquoi les exigences qualitatives de l'Algérie et de l'Arabie Saoudite profitent au blé français et européen. Enfin, nous évoquerons la reprise des inquiétudes climatiques en Australie. C'est devenu une réelle saga. Tous les regards sont en effet braqués sur les exportations de blé russe. Et le fait qu'au 15 septembre, la Russie ait dépassé le cap symbolique des 10 millions de tonnes de blé exportées depuis le début de la campagne renforce la vigilance des opérateurs, surtout quand on sait qu'il sera difficile pour le pays de faire beaucoup plus de 30 millions de tonnes d'export cette année. Coïncidence ou non, les autorités sanitaires russes renforcent les contrôles qualitatifs sur les bateaux, ce qui en ralentit le départ. Les autorités inspectrices assurent répondre aux clients internationaux qui ont des exigences et qui se plaignent de soucis qualitatifs, mais elles démentent donc bien de vouloir freiner le flux d'export. Mais cela reste un sujet brûlant et les bas niveaux actuels des prix russes par rapport aux autres origines ne pourront pas durer éternellement. La sécheresse a beaucoup fait parler d'elle durant tout l'été en Europe et à la veille de l'automne, elle reste toujours d'actualité. C'est surtout le colza qui est touché pour le moment avec des cumuls de précipitations qui ne dépassent pas les 20 mm depuis un mois sur une grande partie de la France, de l'Allemagne mais aussi de la Pologne. Or, ces trois pays sont sur le podium de la production européenne de colza et en représentent pas moins de 60% des volumes récoltés chaque année. Alors la poursuite d'un temps sec ces prochaines semaines sera donc très problématique même si pour l'instant, cela ne semble pas encore une préoccupation pour les opérateurs de marché. Écoutez bien, des blés punaisés. C'est un problème qui touche essentiellement les productions du bassin marnois. On les reconnaît à une dégradation visuelle des grains et qualitative aussi de la farine. Si certains pays tolèrent et gèrent ce problème, d'autres sont plus stricts et imposent jusqu'à présent un niveau de 0% de dégâts d'insectes dans leur cahier des charges d'importation. C'est le cas de l'Algérie, mais aussi de l'Arabie Saoudite. Alors, les blés roumains, ukrainiens et russes sont donc de facto exclus de ces destinations. Cela laisse la part belle au blé ouest et nord européen. Cette norme permet ainsi de continuer à exporter du blé meunier français, même s'il est bien plus cher que l'origine mer Noire depuis juillet. Moins 5 degrés Celsius, c'est la minimale atteinte en Australie le week-end du 15 septembre alors que les blés et les orges sont au stade sensible de l'épiaison. Alors, ce probable nouvel incident climatique est d'autant plus important qu'il touche l'ouest de l'Australie, la seule région jusqu'alors épargnée par la terrible sécheresse de cette année. Dans l'attente de lever toutes ces craintes climatiques à la moisson en novembre prochain, le doute s'installe donc chez ce grand pays exportateur. Alors si vous aussi vous recevez un email qui vous informe des mises en ligne de ce JT, si vous le pouvez, transférez-le à tous vos amis, cela nous aide à mieux faire connaître notre émission. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, à bientôt.